Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors c'est bien connu, hein, pour faire un beau combat, il faut être deux. Eh bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est toujours à mes côtés, ça va Seb? Salut Lucien, ça va très très bien. Salut à tous, content de vous retrouver. Bon, Alexis Nicolas, la semaine dernière, on a fini pile à l'heure pour qu'il puisse voir en direct l'élimination du UPG. Ouais, alors remue pas, alors, s'il te plaît, arrête. Il y a beaucoup de supporters là, toi, en régie. Ça m'a... Non, c'est une très mauvaise soirée. Autant déjà avec Alexis, c'était pas, tu vois. Non, bah, pas le c'est vrai qu'on est plus sympa. Ouais, tu vois, on a du mal hein, avec les invités, on a du mal à décoller. Ils sont pas super non, top. C'est pas, ouais. c'est pas topissime. On essaye d'upgrader. Tu vas nous présenter notre invité, on espère qu'il sera mieux. Hein. On va voir. Ouais. Bon, ok. Allez, présente-le nous. Il est âgé de 28 ans, mesure 1m95 avec ses plateformes shoes, 7 fois champion du monde. Il voulait se lancer dans une carrière de MMA, mais a finalement opté pour la peinture sur soie et la poterie. Monsieur Jimmy Vienno. Ça va? Hey Jimmy. Et toi, ça va? Ouais, nickel. Toujours les belles présentations, ça va Jimmy? Toujours, la peinture et tout. Je tiens à préciser quand même, hein. Normalement on tourne à 16h cette émission. Mais pour Jimmy, on tourne à 11h. Il s'est pointé à 9h30 dans le coup. C'était matinal toi. Ah, c'était mon chauffeur, il est arrivé trop tôt. Il m'a dit dans Paris, c'est la galère, faut venir 3h en avance. Il est venu me chercher à 5h. Laisse tomber. Le mec a un chauffeur et tout. Ah ouais, non, mais non, c'est un collègue à moi, c'est pas à moi. Bon, comment tu vas Jimmy? Ça va, tranquille. Hein. Ça va. Je sors du camp d'entraînement, là c'était dur, un peu fatigué. Ouais. Mais ça va, tout va bien. On est bien. On se demandait, tiens, parce qu'on a parlé un peu avec Jimmy avant l'émission, tu l'as déjà expliqué? Non, jamais. Ah. J'ai jamais expliqué Jimmy et c'était toujours, c'est tous les grands NACMOE français, j'ai pu en expliquer pas mal et je me suis dit, mais Jimmy, on s'est vu à Marseille il n'y a pas longtemps. Ouais. Et mon truc, c'est je suis obligé de expliquer au moins une fois Jimmy Vienno. C'est obligatoire. Plusieurs fois, t'inquiète. Obligatoire. On rappelle quand même ton palmarès, Jimmy, 7 fois champion du monde. 5 fois champion d'Europe et 5 fois champion de France de boxe thaï, 114 combats, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est, comme je dis, moi, c'est Jimmy, c'est le NACMOE le plus doué de sa génération. Alexis était pareil, mais il ne fait pas encore de Muay Thai. Ouais. Moi qui viens du Muay, j'en parle souvent à mes élèves. Je me dis, voilà, essayez de regarder les combats de Jimmy Vienno. Inspirez-vous des meilleurs, parce que voilà, c'est vrai qu'il est jeune encore. Il y a encore. Non, on va encore le voir, j'espère, énormément sur les rings ou dans les cages. J'espère. Mais en tout cas, voilà, on a de la chance d'avoir un combattant comme Jimmy en France. Eh bien, Jimmy, tu sais quoi? On va te présenter un peu plus en détail. Mmh. On aime bien hein, mettre en valeur nos invités. Vraiment, dans cette émission, c'est toujours ça. On m'a prévenu. On t'a prévenu. Tout à l'heure, j'ai dit 1986. Je lui ai dit, t'es né en 86, toi? Mais tu veux te fous, quoi? Pas 86, il est bien plus tard. Donc, t'as 28 ans, bientôt 29. Mmh. Alors, tu considères aujourd'hui, j'ai vu pas mal d'interviews, que t'es seulement à 10% de tes capacités. Exactement. J'en parlais avec Seb en off. Ça, c'est un problème, normalement, qui arrive plus vers l'âge de Seb. Hein. C'est problème de, bah, on peut le dire, d'impuissance. Hein. Alors, tu sais qu'il y a une pharmacie pas loin pour ces problèmes-là. Seb peut te donner des conseils aussi. On va voir un grand consommateur. Hein. Seb, on en parle souvent, d'ailleurs. Hein. Donc voilà, si tu as des conseils à lui demander... Je vais lui demander après. Tu lui demandes... Non, mais je déconne, quoi. C'est pas grave, à 50 ans, tu sais, c'est pas une honte. Hein. À 28, c'est un peu plus... Hein. Non, mais même à 50 ans, quoi. T'as 31 en plus. T'as déjà 114 combats à ton actif. Ok, donc t'es aussi productif que Jules l'est dans la musique. T'aimes bien Jules? Ouais, j'aime bien. C'est vrai, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Pour pas ses tous textes. Ses sons, mais non, plus pour s'ambiancer, on va dire. Justement, attends, petite citation quand même de Jules qui fait plaisir à tout le monde. Je suis cramouche en DP, à l'affût ils sont, je leur fais de l'effet sans avoir le féfé. Je vous laisse quelques heures pour réfléchir là-dessus. En claquette de chaussettes. J'ai toujours pas compris. Ah non, mais tu peux le redire? Je suis cramouche en DP, à l'affût ils sont, je leur fais de l'effet sans avoir le féfé. Traduction de Jimmy. Ça veut dire qu'il est à l'aise en étant simple. Il leur fait de l'effet en étant tranquille. Regarde, on a une petite photo. En claquette chaussette. Parce que, ouais, Jimmy, bravo le J, voilà, magnifique. Et d'ailleurs, en parlant de rappeur, t'as déjà croisé Gazo. Non, pas tout à fait Gazo, plutôt Gazou, la mascotte de l'équipe féminine de l'AT Montpellier. Voilà, on te voit avec Gazou. Tu vas souvent d'ailleurs voir les filles de l'AT Montpellier. Ouais, je vais voir souvent. J'ai remis Roman Bernias qui est ma pote, donc je vais la soutenir et toute son équipe. En plus, est chez moi, donc ils font du résultat. Donc ouais, je suis là. Je suis là et pas que le basket aussi, hein, le hand, le foot. Et c'est toujours les équipes féminines que tu vas voir. Toujours. Toujours.
Bon, malheureusement, là, Montpellier est éliminé, le foot, ça va pas trop bien non plus. Non, c'est pas terrible. Bon, écoute, c'est pas terrible. Bon, ça te va, la présentation, bon, convient ? Super. Tu t'attendais à ça, à peu près ? On vient de me briefer, là, alors, parce que je savais pas du tout, mais franchement, c'est cool, ça détend, c'est bien. Bon, c'est top. Bon, on a checké tes réseaux, j'ai passé la semaine à regarder tous les réseaux sociaux de Jimmy. T'as pas mal de tatouages. Ouais, après, pas mal, il y a plus que moi, mais j'en ai un évidemment, petit peu. Il y a plus que toi, mais on va voir une petite photo de ton dos, notamment, où il y en a pas mal. Tu vas nous expliquer un peu, je pense qu'il y a un message derrière tous ces tatouages. Est-ce que tu peux en fait, c'est prière thaïlandaise. Donc, comme j'aime beaucoup la culture thaï et que j'y étais depuis très jeune, j'aime beaucoup aussi les tatouages. C'est fin, c'est beau gosse et tout. Donc, j'ai voulu me faire ça dans le dos. J'ai fait tout en même temps. Ça m'a pris 4 heures. Tu l'as fait à la taille ? Non, je n'ai pas fait au bambou. D'ailleurs, on voit que c'est très fin et précis parce que c'est à la machine. Ouais. Je ne l'ai pas fait au bambou parce que esthétiquement, après, c'est un peu plus gros. Ouais, c'est plus après, ça dépend des gens. Il y en a, ils préfèrent, il y en a, machin. Mais si tu vas dans un temple et que tu l'as fait à l'aiguille, après, c'est pareil. Quoi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, je l'ai fait dans un salon à Pattaya. Ouais, ok. Juste après un combat, en plus. Ah ouais, juste après. Mon quatrième titre de champion du monde. Je suis parti me le faire. On vient de voir sur ton poignet, là, on a vu avec la caméra, One Life. Pourquoi ? One Life. One Life, parce que c'est un peu ma vie, en vrai. Ouais. Je suis beaucoup en mode One Life. Je calcule ce que je fais dans ma vie au long terme, mais tout en vivant le jour le jour. Et puis mon père, il est comme moi, donc on l'a fait ensemble. Okay. On l'a fait ensemble avec mon père au même endroit, One Life. Ça explique un peu notre manière de penser. T'as qu'une vie et tu y vas. J'ai qu'une vie, je profite en étant intelligent et malin, mais la priorité, c'est de kiffer sa vie, de profiter. Et voilà. Ouais. Pas plus. Ouais, c'est bien, c'est une belle philosophie, effectivement. On est de passage, ça va très vite. Ouais. Donc autant ne pas trop se poser de questions. Voilà. Faut pas faire les choses et réfléchir après, des fois. Voilà. Des fois, ouais, des fois, oui. Après, moi, ça m'est un peu trop arrivé, ça. Donc maintenant, j'essaye d'être un peu plus réfléchi et d'être intelligent. Mais depuis tout petit, je suis comme ça. Et je suis quand même comme ça encore, et c'est ma manière de penser. Donc c'est obligé que je l'écris sur mon corps. Ouais. C'est bien, c'est bien. Alors, regarde, t'as une petite tablette à côté de toi, là, juste là. Regarde là, juste dans le canapé, sous le coussin. Dans le canapé. Voilà, magnifique. On va faire un petit jeu. T'aimes bien les tatouages ? Pas mal de combattants ont des tatouages. J'ai pas vu ça depuis le CP. L'école. On va te passer des photos de tatouages de différents combattants et tu vas devoir les noter sur 10. Il y a pas un tatouage. Si, il y a un crayon, il est juste sous le coussin aussi. Pareil aussi. Voilà, magnifique. Bien vu. C'est parti. On en a plusieurs, sûrement que je les note. Certains que t'as déjà vu sur 10. Sur 10. En fonction de toi, si toi t'aurais pu avoir ce tatouage ou pas, tu vois. Allez, c'est parti, le premier. André Lima, tu sais qu'il s'était fait tatouer la trace de la morsure qu'il a fait gagner face à Igor Severino. Ah putain, ouais. Est-ce que tu aurais pu faire ça, toi ? Ça dépend quelle heure de la journée. Vas-y, montre-le à cette caméra. Combien ? 5 sur 10. 5 sur 10, ouais. La moyenne, ouais, j'avoue que c'est un peu. C'est un peu pour la blague, c'est drôle, mais bon. Ouais, ça dépend à quelle heure de la journée. Si c'est plutôt le soir en soirée, bon, peut-être. C'est pour ça qu'il y a 5. Allez, le prochain. Alors ça, c'est Sean Brady. Il s'efface pas, ton... Ça s'efface pas. Ah bah attends. Ah, c'est un permanent. Ouais. Ah, c'est pas grave, écris à côté. Ouais, allez, vas-y, c'est bon. Alors, combien tu lui mets, là, Sean Brady ? Oula. Oh, là. Je lui mets 3. Ouh. Je lui mets 3 pour... parce que c'est du travail et c'est quand même un beau tatouage dans son style. Mais je le ferai archi pas sur moi. C'est vrai que là, c'est... C'est quoi ? C'est trop gros ? C'est trop coloré ? C'est tout. Vous, les adeptes de tatouages. Parce que toi, t'en as pas mal aussi, Seb. Ouais, j'en ai pas mal sur le corps aussi. Mais c'est vrai que là, j'aime pas le motif. Voilà, okay. J'aime pas le... Voilà, c'est pas... Moi, franchement, j'ai mis les 3 pour... Vas-y, le tatoueur. Bon. Le boulot, ouais. Ouais. Pour le boulot, quand même. Allez, un autre tatouage iconique, celui-là, tout le monde le connaît. Conor McGregor. Avec le gorille. Je lui mets 9. 9, ouais. Ouais. Ah, celui-là, tout le monde le connaît. D'ailleurs, il s'était expliqué. En fait, il avait fait ce tatouage parce que lui, il avait l'impression d'être le roi des gorilles. Il a mis donc une couronne sur la tête. C'est pour ça qu'il y a la couronne. Et puis, le cœur, bon, il lui fait manger un cœur parce que... voilà, il disait que c'était plus stylé. Je lui mets 9 parce que c'est lui. Hein. Sur quelqu'un d'autre, je mettrais moins. Parce que le tatouage en lui-même, c'est pas trop mon délire. Mais à lui, ça lui va comme un 9. Ouais. Donc, je lui mets 9. Tu pourrais, parce que lui, il a aussi Conor McGregor de tatouer. Ouais, de tatouer. Ouais, tu pourrais te faire tatouer Jimmy Vienno, là. Bam. Non, non, non. Mais à lui, pareil. Ça lui va. Ouais. Donc, vas-y, je lui mettrai pareil, 9. Allez, on en a deux derniers.
Alors ça, ouais, ça c'est ouf. Ouais. C'est Marius Pudzianowski, polonais. Et pas mal, ils sont tatoués des sponsors en fait. Notamment, je crois que c'est lui qui combat au KSW. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, ils ont des sponsors comme ça tatoués sur le corps. Hein. Chromatic Games, c'est un peu ridicule quand même. Alors après, je pense que c'est du tatouage éphémère. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est du éphémère. Ouais. Mais il y a un combattant, je ne sais plus de quelle nationalité il est, où lui, ce n'est pas un tatouage éphémère. Et c'est dans le dos. Il s'est fait tatouer le sponsor, je ne sais plus ce que c'est. Et quel est le combattant, mais c'est lunaire. J'espère qu'il a bien payé. Hein. Ouais, je pense que voilà. Derrière, il y a un gros chèque. Mais c'est vrai que ouais, c'est une mode. J'ai mis 4 sur celui-là. J'ai mis 4 pour le sponsor. Parce qu'il mérite, il donne des sous, il soutient les athlètes, donc je lui mets 4 pour lui. Mais... Il y a ça aussi, ouais, le côté où tu as tous les combattants qui recherchent un peu de sponsors et tout. Oui, puis c'est éphémère, voilà, c'est des trucs, ça s'en va à la sous la douche. Allez, un petit dernier. Ah, celui-là est bien connu, Jamal Hill, les deux pouces. Mmh. Moi, je les trouve hyper mal faits. Eh ben, j'avoue que c'est pas... Tu te demandes ce que c'est, quoi, c'est un peu... Je mets 6. Ah, quand même. Pour l'originalité. Ouais. Mais pas plus, je le ferai ouais, pas. Ouais, c'est je trouve que le travail, là, il est. Ouais. Les pouces, ils sont. Les mains, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire sur les tatouages. Ouais. Ouais, pour vraiment reproduire de belles mains, moi, j'en ai là. Et je voudrais le faire recouvrir parce que je trouve pas. On dirait qu'il a mis des gants. Ouais, c'est vrai, hein. Il y a. Des gants. On dirait les pouces de Facebook. Ouais. On dirait les pouces de Facebook. Donc ça ressemble aux gants, tu sais, pour prendre les plats, là. Ouais. Les maniques, voilà. Exactement. Bon, voilà. Passion pour les tatouages. On va parler maintenant un peu... Vas-y. Alors, t'as dit un truc un jour sur France 2, sur ton tatouage sur le bras. Celui-là ? Ouais. Oh, putain. Tu peux raconter l'anecdote ? J'ai cru. J'ai cru que ça allait passer à la trappe, la vérité. Mais jamais de la vie, Jimmy, tu sais. Moi, je laisse pas passer, tu sais. Explique-nous, alors. Bon, alors, en fait, celui-là... On bipera, t'inquiète. Déjà, il a fait le buzz en Thaïlande, celui-là, je savais même pas. Mais un jour, un matin, je me réveille et je vois plein de messages et tout. J'étais un gars là et j'ai fait ça. Il y avait un photographe, il me prenait en photo. Sauf qu'ils ont repris ça. Et en fait, en gros, il y a marqué... Non, c'était censé marquer être Muay Thai. Et il y a marqué Krau Thai, et ça veut dire pénis thaïlandais. Attends, le détail, en vrai, maintenant, je l'ai fait changer. Ah, ok, ouais. Mais c'est le détail, c'est cette lettre-là. En fait, quand tu regardes, là, tu vois, j'ai mis un, c'est droit. Ouais. Et tu fais remplir un tout petit arc de cercle qui est ici. Et en fait, de base, il y avait un petit arrondi, et c'était plutôt en virgule là. Ce détail-là, il change la lettre. Du M en K. Mais toi, tu pensais avoir fait un tatouage Muay Thai. C'était écrit Muay Thai. Non, moi je le savais. Je sais qu'il s'est trompé. Tu le savais. Mais okay. Je l'ai fait et ça a pété, ça a fait le buzz il y a 2 ans. Et moi, je l'ai fait à 22. Donc à 26, ça faisait 4 ans que je le savais. Mais grave flemme, en vrai. Ouais, de l'ouais. Ouais. Et en fait, c'est le tatoueur. En plus, tous les Thaïs, ils ont dit, ouais, ils étaient grave avec moi. C'est qui ouais. Le tatoueur, on va le trouver et tout, machin. Mais moi, je me rappelle même plus qui c'est. C'était en sortie de soirée. J'étais un peu. C'était après un combat. Donc bon. Ouais. Et lui, pareil. Je vois arriver à 10h du matin, il tangue un peu. Bon, allez, vas-y, on fait confiance, tu vois. Et moi, je l'ai su, je l'ai vu direct et tout. Même en Thaïlande, dans mon camp et tout, on m'a dit on a fait l'erreur et tout. Je le changerai plus tard, j'ai toujours eu la flemme. Et en fait, il n'a pas fait exprès, le pauvre. Et voilà. Donc pendant des années, tu as combattu avec pénis thaïlandais sur le bras. Exactement. Et dès que j'ai vu que ça a un peu pété et tout, j'ai dit vas-y, je fais changer. Ouais. Bon, ça va, il n'y avait pas grand-chose à. Non, il n'y avait rien, c'est qu'un détail. C'était qu'un détail. Et là, maintenant, ça va. Tout est rentré dans l'ordre. Ouais, bah des fois, toi aussi, t'as peut-être des tatouages que t'assumes pas trop. Il y en a un que j'ai envie d'enlever, ouais, mais je l'assume, mais les mains sont pas très bien faites. Sinon, tout ce que j'ai, non, ça va. Bon. J'ai pas d'inscription étrangère. Ouais. C'est vrai que tu peux aller dans un pays étranger, mais tu lui dis, marque-moi, je t'aime maman, puis t'écris un vieux truc dégueulasse. Ouais, c'est le risque. Et toi, tu sais pas, et voilà. Il pourrait se tatouer des cheveux, on me dit ça dans l'oreillette, hein. Moi, j'assume pas. Ça s'appelle des implants, hein, finalement, c'est un peu ça. Bon, ça vanne beaucoup en vrai. Ça travaille pas beaucoup. Non, mais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Par contre, fais-moi penser à me leur péter la gueule après l'émission. Je peux te conseiller une bonne clinique en Turquie si tu veux. Tu vois, ça vanne aussi. Okay. Bon, Jimmy, allez, on va quand même parler un peu sérieusement de ta carrière. On a cité ton palmarès. Selon toi, quelles sont les clés de la réussite, toi, dans ta carrière? Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver à ce niveau, de décrocher tous ces titres? Moi, je pense que c'est la détermination. Ouais. Parce qu'il m'est arrivé pas mal de, pas de galères, mais de coups durs dans la boxe. Et le fait de tout le temps se relever et de ne pas perdre espoir et d'aller toujours de l'avant et de te servir de, par exemple, tes défaites ou des coups durs ou des entraînements qui se passent mal ou des blessures comme un point fort.
et un truc qui te rend plus dur et tout, et ben ça sert à avancer plus vite pour moi. Donc je pense que la détermination, c'est le point le plus important pour moi. Et en deuxième, ça serait d'écouter toujours ton entourage. Ouais. Ils te veulent du bien, si tu as un bon entourage, hein, parce qu'on n'a pas tous un bon entourage. En tout cas, moi, j'en ai un bon. J'ai mon entraîneur depuis 14 ans, toujours le même. Dédé. Désiré, ouais. Thibaut Désiré. Exactement. J'ai la famille qui sont là, qui soutiennent. Donc, je les écoute. Je les écoute. Je suis attentif à leur point de vue. Parce que surtout, la famille, c'est d'extérieur. Donc, c'est bien aussi de la voir. Et ben, mon entraîneur. Je n'en fais pas qu'à ma tête. Et ça, c'est important. On en parlait un peu en off tous les deux, mais tu me disais que ta maman avait eu du mal au début avec les sports de combat, il y avait l'école, toi c'était pas trop ton truc. Explique-moi un peu justement comment elle l'a vécu, comment elle a fini par accepter que tu fasses des sports de combat. Bah en fait, déjà j'ai commencé le sport de combat à 4 ans, donc ça a toujours été un peu dans mon quotidien, dans ma vie. C'est quoi, le judo ? J'ai commencé par le judo, en compétition aussi, j'allais beaucoup en stage et tout ça. Et donc de 4 ans à 13, donc j'étais en compétition, c'était déjà mon délire. Mais il me manquait des percussions, il me manquait tout ça. Et comme je t'expliquais en off, c'était dans mon quartier, donc quand je suis arrivé de Paris. Et en fait, l'entraîneur que j'avais, donc l'école était dans le quartier, le club était dans le quartier, donc tout le monde se connaissait. Et j'avais un entraîneur qui demandait à tout le monde comment ça s'était passé pour moi aujourd'hui à l'école. Forcément, je me bagarrais souvent, j'avais beaucoup de trucs et tout, donc... Il me punissait ou il ne voulait pas que je m'entraîne ou vas-y relou. Donc tous les jours, c'était toujours, il me manquait, arrivé à un certain âge, hein, vers 10 ans, 11 ans, il me manquait des percussions et tout. Et puis du coup, après j'ai déménagé dans un autre quartier et donc j'ai rencontré Dédé qui avait plusieurs salles. Et là, il avait une salle avec pas mal de jeunes du quartier. Et c'est là où après j'ai bifurqué dans sa salle de combattants et je suis toujours avec lui. C'est marrant parce que ce que tu dis... Toi, ta première motivation, c'est la détermination et ensuite l'entourage. Moi, j'ai toujours pensé que c'était d'abord l'entourage qui façonnait un boxeur ou un sportif d'ailleurs, hein, pas forcément que les boxeurs, parce que quand tu as un bon entourage, ils sont capables de te dire quand tu sors un petit peu du droit chemin. Ils sont capables de donner des critiques constructives, des fois qui font mal, mais qui te font avancer. Et je trouve que l'entourage, c'est hyper important. Et regarde, 14 ans, le même entraîneur, 7 fois champion du monde. Rare, on en parlait, mais... Voilà, le résultat, il est là. Après, j'ai eu de la chance avec... je suis tombé sur lui. J'aurais pu tomber sur quelqu'un que ça ne matche pas, en vrai. Et j'aurais changé. Ouais. Mais lui, ouais, ça a marché avec lui. Donc, et ça marche toujours. Donc, je suis très bien avec lui. Et là, je fais mes camps d'entraînement au pied-point à Abu Dhabi. Ouais. Avec lui, donc tout se passe très bien. L'entourage, je le mets en deuxième parce que pour moi, il y a beaucoup de gens qui sont pas entourés, mais qui la détermination les fait rester au top, en fait. Et c'est très important d'être entouré. Hein. Ouais. Mais je pense que quand tu as la détermination et que tu n'es pas entouré, tu vas plus loin que si tu étais entouré et pas de détermination, en fait. Ou alors mais en deuxième position. Est-ce que l'entourage ne t'apporte pas cette détermination? Après, c'est une autre motivation. Ouais. Moi, elle m'apporte de la détermination parce que je les aime. Ouais, c'est ça. Ouais. Et que ça me donne de la force. Et je veux leur rendre ça, en fait. Mais ça devient plus secondaire pour moi qui fait d'abord ça pour moi. Ouais. Et ça, c'est la détermination. Mmh. Okay, ouais. Pour être le plus fort, en fait. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que ça marche alors entre toi et Thibaut Désiré, ton coach de toujours? Parce que je pense que ça va au-delà même des sports de combat, non? C'est presque une relation père-fils. Il me connaît comme un tonton, tu vois. Il me connaît par cœur. J'ai vécu des trucs avec lui. Il m'a conseillé sur plein de trucs extra-sportifs qui n'ont rien à voir avec la boxe. Et voilà, genre le Thaïlandais, vas-y, fonce. Ça, c'est une bonne idée, ça. Tu vas voir, surtout après une soirée. Mais non, avec Dédé, ça marche parce qu'on dirait qu'on est en symbiose, en fait. Vous n'avez même pas besoin de vous parler pour. Je suis trop comme lui, il est trop comme moi, Il te connaît par cœur. Il te connaît plus que tes propres parents. Non, parce que tu vis tout. Tu es souvent avec lui. Je dirais pas plus, mais lui, il connaît une facette de moi que. Tes parents ne connaissent pas. Qu'ils connaissent pas. Il connaît un truc de moi que il me connaît bien. Mm-hmm. Et lui, il sait même quand je suis fatigué alors que ça se voit pas. Il sait quand j'ai pas envie alors que ça se voit pas. Ouais. C'est plein de trucs, en fait. Et même quand je ne sais pas, que je n'ai pas envie, il le voit. T'as pas envie. Ouais, mais ça, c'est très rare. Mais je veux dire, il me connaît très bien. Et puis voilà, c'est pour ça que ça marche. Mais on est en symbiose un peu. On se complète énormément. On se complète en même temps, on est pareil. Il a quel âge Dédé, il a 46. Donc ouais, c'est un,
C'est marrant parce que cet écart-là, je trouve, c'est cet écart de génération. Moi, je l'ai vécu avec Jean-Marie Merchet. Mmh. Et il me connaissait par cœur. Ouais. Et il savait dire des trucs. Et c'est marrant. C'est parce la même que, école. Hein. C'est ça. C'est ça. Et c'est, on apprend énormément auprès des anciens. Eux, ils apprennent aussi énormément avec les plus jeunes. Et je trouve qu'on est obligé de s'adapter l'un à l'autre. Ce qui fait que bah, tu te confies. Et tu te connais par cœur. Et moi, ils me connaissaient par cœur. Mais tu vois, c'est comme un Benoît Saint-Denis avec Daniel Voisin. Je pense que c'est un peu les mêmes relations. C'est ça, c'est vrai. Que c'est... Et c'est hyper important. Et je pense que pour ta carrière, pour l'avancée, pour la progression, ouais, c'est primordial. Et la preuve, de toute façon, c'est factuel. Hein. Ouais, ouais. Mais moi, j'aime bien. D'ailleurs, Daniel, je n'ai jamais rencontré, mais c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer parce que quand je l'écoute parler. Il parle comme mon entraîneur, comme ouais. Tu vois, c'est des gens que comme Jean-Marie, ouais. C'est des gens que j'aime beaucoup. Et donc ouais, j'aimerais bien le rencontrer. Mais d'ailleurs, Dédé a son père aussi, ouais. Désiré Thibault, qui était un pionnier de la boxe thaï en France. Ouais. Je sais pas si tu connais. Son père qui a organisé des galas, qui avait le Phoenix à l'époque. Ah oui, ok. Alors on se connaît 13e. Pas personnellement, mais voilà. C'est son père. Son père, ok. Et donc voilà. Ouais, mais ça, c'est. Les anciens, on revient toujours à. Ils ont réussi à s'adapter à la jeune génération. Donc, c'est ça. Et il n'y en a pas beaucoup. Parce que, mine de rien, on est quand même, pardonnez-moi l'expression, on est quand même des vieux cons. Moi, à 51 ans, mais c'est vrai, j'ai une génération où je ne suis pas fan. T'es pas vieux. Non, mais par rapport à des gamins de 23 ans. Ça va, t'as un esprit jeune. Moi, j'aurais pas dit que t'avais 51. Ouais, mais je sais quand même. Mais, et du coup, quand t'arrives à t'adapter et à comprendre, en fait, ces jeunes, ouais, forcément, t'avances ensemble et ça fait. Enfin, il y a cette symbiose qui est primordiale pour l'ascension d'un champion, en tout cas. Mais avec Dédé, ça s'est fait très naturellement. Ouais. Ça s'est fait très naturellement. Au début, moi, je suis arrivé dans sa salle. À la fin de l'entraînement, enfin, j'étais spécial quand même. À la fin de parce que maintenant, j'ai du recul, donc je me vois. Mais à la fin de l'entraînement, quand on ne faisait pas les sparring, tu vois, j'étais resté sur ma faim et tout. Et d'autres jeunes un peu comme moi qui avaient envie d'en découdre, bah, on se la donnait dans les vestiaires. Ou ouais, alors, ouais. Des fois, dehors. Mais ouais. Pas méchamment, mais juste, on mettait des gants. Sparring appuyé. Des rentrées, vous me voyez par terre en train de taper quelqu'un. Ou dire, ah, relevez-vous et tout. Enfin, bref. Donc, ouais, il y a plein de... Coup, c'était marrant, j'ai des petites anecdotes drôles comme ça. Ouais, Jimmy, tu as 114 combats, on l'a dit, tu as énormément de titres. On a eu Alexis Nicolas, hein, comme on le disait la semaine dernière, et justement, lui aussi a beaucoup gagné, et il nous disait qu'il normalisait ses victoires. On va écouter l'extrait, et j'aimerais que tu réagisses là-dessus. Mais tu trouves ça... Enfin, comment tu le vis, toi, de normaliser tes victoires? Est-ce que parfois ça te frustre? T'aimerais bien plus en profiter, plus te lâcher? Ouais, j'aimerais vraiment pouvoir plus en profiter, parce que je me dis que les victoires ne sont pas éternelles, et ouais. Qu'en réalité, je ne suis pas à l'abri d'une défaite. Et je me dis, si je réagis comme ça quand je gagne, qu'est-ce qui se passera le jour où je perdrai? Et donc, je fais ce travail sur moi depuis très, très longtemps, mais je n'arrive toujours pas à apprécier parce que je suis très exigeant et je veux toujours faire mieux. Il a entièrement raison. Je pense comme lui. J'ai toujours kiffé les ceintures quand je ne les avais pas que quand je les avais. Ouais. Tu vois, ouais. Par exemple, j'ai été champion du Lumpini, ouais. Stadium mythique en Thaïlande. Ouais. J'en ai rêvé avant de l'avoir, je te jure. Ouais. Je l'ai eu. Je l'ai rangé et je voulais une autre ceinture. Je voulais une deuxième. Ah ouais. Et je voulais... Il a entièrement raison, je pense exactement comme lui. Mais ça, je pense, c'est une mentalité de gens qui veulent toujours plus. Mmh. Et c'est très bon pour le sport. Parce qu'on pensera à ce qu'on a fait après la carrière. Ouais. On racontera nos histoires aux enfants, à la famille. Voilà, ça y est, on a fait notre temps, c'est rangé. Mais je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, pendant la carrière, on veut tellement chercher le monde qu'on ne peut pas penser à ce qu'on a fait, vu que je vais chercher un autre truc. Une fois qu'on l'a, ça y est, on est très content, on l'arrange, on profite 4-5 jours, on appelle l'entraîneur, c'est quand le prochain, tu vois. Ouais. C'est marrant parce que... Je pense exactement comme lui. Se dire, ouais, tu rêves de la, par exemple, la ceinture du Lumpini, tu l'as, bon, bah ça si y est, je l'ai. Une ceinture en plus, ouais, mais pas non, de... Mais c'est vrai. Il va dire, le Lumpini, il y a 5 Français. Ouais, 5 Mourad, 5, ouais. Mourad Sarri, Villaume... Non, pas Villaume. Non, pas Villaume. Mourad Sarri, Bouic... Boïc, Damien Alamos, toi, ouais, c'est hyper rare, et quoi. Zut, il en manque un. Zut, j'oublie. Ah, Bouganem. Et il y a, ouais. Voilà. Mais il est belge, ouais. Voilà, il est belge. Mais sinon, après... Il y a eu un japonais aussi, je crois. Oui, ah ouais, après, bah, ouais, après on, là, les Français. Il y a très peu de Français. C'est une performance incroyable. Quoi. Mais je crois qu'il n'y a eu qu'un japonais, on est 6 étrangers, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est ça. Parce que même Dekkers ne l'a pas eu, Nikema l'a loupé, Abdallah Mabel l'a loupé. Il y a eu plein de Français qui ont... Et toi, tu l'as eu, tu l'as rêvé. Je l'ai. Ouais. Oui, ça va. Je me rappelle parce que. Il y a autre chose. J'étais arrivé 2 jours avant 3 jours avant le combat en Thaïlande. Ouais.
Donc j'étais complètement décalé au niveau des horaires et tout. Et je dormais la journée, je dormais pas la nuit. Donc du coup, je m'étais forcé avec, le mental. Et en plus, j'étais tombé malade un peu. Mais j'étais vraiment tombé malade après le combat. Parce que je sentais que j'étais tombé malade juste avant. Juste avant, mais tellement que le mindset, le mental, il te dit hors de question, je suis pas malade, À convaincre que... J'ai réussi à me convaincre. Et c'est quand j'ai boxé que j'ai tout relâché. Putain, j'ai eu une grippe de ouf juste après. Et en fait, quand je suis arrivé en Thaïlande, il fallait que je perde du poids, il fallait que je m'acclimate vite. Donc je dormais, j'allais courir, transpirer et tout, je mangeais un petit peu jusqu'à la pesée. Au combat, je me disais tout seul que j'étais là depuis longtemps, donc il n'y a pas de décalage horaire, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas tout ça, je gagne cette ceinture, il me la faut. Et une fois que je l'ai gagnée, la pression elle relâche tellement, c'était tellement dur, le camp d'entraînement, les conditions qui vont avec, la pesée c'était le jour même et tout, c'était tellement dur que je passe à autre chose. Et après, 4 jours après, tu as tellement envie de repartir et tout, et de revoir autre chose. Donc tu penses plus à ce que tu as fait, en fait, tu penses à l'après. Mais, tu vois, dans l'extrait qu'on a passé d'Alexis, lui, il dit quand même que ça le frustre. Il dit quand même, moi, j'aimerais bien profiter, mais j'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Toi aussi, ça te frustre ou... Non, moi, ça ne me frustre pas, parce que je sais que c'est ce qui me permet d'aller de l'avant, et j'ai toujours marché comme ça. Je ne vais pas changer un truc qui marche. Mais si j'arrive pas à profiter après ma carrière, là, c'est relou. Tu vois, mais je sais que je pourrais profiter après ma carrière où je regarderai des vidéos et je kifferai avec la famille, où je pourrais raconter un peu des histoires, des anecdotes et revivre ça. Si j'y arrive, eh ben tant mieux. Mais là, à l'heure actuelle, ça ne me frustre pas. Je suis tellement focus sur le futur que j'y pense même pas à ce que j'ai fait. En fait. Tu retournes souvent en Thaïlande là, actuellement ? Ouais, j'y retourne souvent. Là, je devais y aller pour mon combat qui a été décalé, donc j'y retournerai là dans pas longtemps. Et Lumpini, quoi. Le Lumpini. Moi, c'est, j'ai eu deux frissons. Hein. La première avec Morad Sarri. Et puis la tienne. Après, c'est vrai que Boïc, Alamos, même Bouganem, j'étais content. Parce que, mais les deux qui m'ont fait Morad Sarri, qui a été le premier, et puis toi quand tu l'as eu. Bah, merci beaucoup. Mais vraiment, c'est sincère. Hein. Le Lumpini, quoi. Ouais. C'est vrai qu'après les combats de Jimmy aussi, ça marque souvent parce que c'est toujours des grosses guerres, tu vois. Il y a beaucoup de combats où c'est léger, il n'y a pas un niveau de fou non plus, tu vois, faut arrêter. Attention, on l'a dit, on essaye, on n'arrive pas à la crème de la crème, on décolle. Non mais c'est vrai, sérieusement, c'est vraiment des grosses guerres à chaque fois et du coup ça marque. Ce que j'essaye de faire, c'est de boxer pour moi d'abord, pour me soulager et aussi dans un second temps, donner des émotions aux gens qui me regardent. Et c'est important, parce que c'est comme ça qu'on se rappelle de toi, c'est que t'es fier après quand t'es content. Si j'ai fait un combat, je l'ai gagné au point, mais j'ai géré, j'ai contrôlé, et que le mec il m'a vu, ça m'intéresse moins. Alors que si j'ai fait un combat, je l'ai perdu, mais j'ai fait une grosse guerre et je vais jusqu'au bout, et que le combat, et le mec à la fin, il est trop content, putain, Jimmy c'est bien et tout, là je suis fier, tu vois. C'est un gaucher, Jimmy, c'est beau à voir, c'est propre, c'est... Enfin, moi, j'adore. Encore une fois, ça ne serait pas terrible, je le dirais aussi. Hein. Ouais, bah oui, là aussi. Tous les avis sont... On dit à tous nos invités quand même dès qu'ils passent. Parce que on invite que des... Il y a des combats que je ne suis pas fier. Hein. Il y a des combats moins beaux que d'autres. Mais globalement, t'es pur, t'as une très belle boxe. Et c'est reconnu dans le milieu pour ça. Mais après, t'as raison que c'est important de marquer les esprits, même dans la défaite. Parce que regarde, par exemple, Jérôme Le Banner. Tu demandes à n'importe qui... Un truc qui vous a marqué dans la carrière de Jérôme Le Banner, ils te parlent tous de ce combat où il se fait casser le bras, où il continue, et après il arrête. Tu vois, toi, t'as un combat qui t'a marqué plus qu'un autre Sur les 114, là. Non, j'ai fait beaucoup de guerres. Ouais. Donc, on va dire, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Mais un combat qui m'a marqué, je pense, c'est... J'en ai beaucoup, en vrai. Hein. Quand la première fois que j'ai été champion du monde, mais ça ne m'a pas marqué pour les bonnes raisons. La première fois que j'ai été champion du monde, ça m'a marqué parce que j'avais une diarrhée, mais monumentale, pendant le combat. On a dit on parle de tout. Hein. Tu peux y aller. En fait, j'ai mangé trop vite après la pesée et j'ai mangé des trucs pas très bons. Et pendant le combat, j'avais une diarrhée de fou et il fallait que je le mette KO parce que sinon, c'était la merde. Hein. C'est le cas de le dire. Du coup, je l'ai mis KO deuxième. Oh, ça va. J'ai retiré ma coquille direction les toilettes. T'avais mangé quoi avant ? KFC, j'ai mangé des ouais, j'adore. J'ai mangé des œufs de 100 ans là, les œufs marrons. Pas le bon timing. Mais en vrai, j'adore ça. Ouais, c'est trop bon. Ouais. Et j'ai mangé ça. Et en Thaïlande, tu manges beaucoup ça. Ouais. Et moi, on m'avait donné une barquette et tout, et c'était pour après la pesée, tu manges direct. Donc il y avait du riz, il y avait ça, il y avait de la viande, il y avait tout.
Et je pense que c'est ça qui m'a fait mal. Alors que d'autres fois, ça me fait pas mal, mais là, je pense que c'était ça. Et du coup, donc ce souvenir-là, avec ça... Tu sais que quand tu vas balancer KO comme ça, tu fais « Oh merde !» En fait, je le sentais, il fallait vite que je le termine, lui, parce que sinon, il ne fallait pas que ça dure synchrone. Et après, il y a eu un combat où j'ai boxé contre Chanachong, c'est un Thaïlandais que j'ai pris 3 fois, une fois à 19, une fois à 20 et une fois à 24. À 19 ans et à 20 ans, il m'a cassé 2 fois le genou avec un coup de tibia. Les 2 fois... Ici, les 2 fois, il a crié en low kick. Il fait « Ah !» Là, je me suis dit « Waouh !» La première fois, j'ai dit « Qu'est-ce qu'il me fait, là ?» Il me l'a mis. Donc, déboîté, mais un ligament de coupé et un de distendu. J'ai continué le combat jusqu'au bout, hein, mais j'avais plus que les points. Deuxième, la même chose. En plus, les 2 fois au deuxième round. Là, par contre, j'ai bloqué, mais voilà, ça ne servait à rien, pareil. Ouais. Et pareil, j'ai continué le combat jusqu'au bout, mais j'avais plus que les points. Et à 24 ans, je l'ai reboxé. Là, j'étais prêt. J'avais fait une grosse prépa des jambes et tout. Et il me refait pareil, mais là je bloque. Et on dirait, je sais pas, c'était trop une histoire que je crois que même lui, il le sait même pas, tu vois, qui m'a fait ça. Ouais, incroyable. Et là, par contre, je gagne le combat et c'était pour mon 5e titre de champion du monde, mais je suis ressorti avec une main cassée, le tibia ouvert, et pas mal de petites blessures. Parce que Seb, c'est vrai que nous, on parle souvent de MMA dans cette émission, mais le Muay Thai, c'est beaucoup plus violent. On peut revoir d'ailleurs, si vous pouvez passer quelques images là, de combat encore de Jimmy, pour que les gens s'en rendent compte, mais... C'est d'une violence. Enfin, c'est peut-être le sport de combat le plus. C'est la boxe, le sport de combat effectivement le plus dur. Ouais. La boxe des 8 membres, c'est celle où tu as mal partout. Même quand tu gagnes, tu as mal partout. Le MMA, c'est un sport difficile, mais tu peux gagner par soumission. Tu peux le fait d'être en ground and pound sur ton adversaire. Tu as juste les bras en piston qui frappent. Tu n'as pas le poids du corps. En Muay, c'est quelque chose qui est terrible. Tu as mal. Moi, j'ai combattu en Muay et en... On ne l'appelait pas MMA, nous. Pancras. C'était Pancras et Free Fight. Mais j'ai eu beaucoup plus mal en Thaï. Mais de loin. Et même quand tu gagnes, tu as mal partout. C'est pour moi la boxe la plus dure. Ouais. La plus dure. En fait, c'est la... C'est... comment dire? C'est l'ambition du sport. La boxe thaï, le MMA, c'est très dangereux, ça fait mal, il y a les mitaines et tout. Bon, maintenant, en boxe thaï, on peut boxer avec les mitaines, donc c'est chaud aussi. Mais en MMA, on va dire, c'est beaucoup plus libre. Ils sont très forts, leur corps est vachement fort, tu vois. La boxe thaï, les corps sont vachement durs. Ouais. Donc, il y a une différence. Chacun a ses points forts. Mais je sais que, par exemple, avec la lutte, en MMA, les mecs ont beaucoup plus de force, ont de la puissance. Mais le corps des mecs de boxe thaï, ils sont très durs. Ouais. Tu peux être tout maigre et être un mur. Un mur, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, tu tapes et tu reçois. Et ça, c'est franchement, ça fait mal. Moi, je suis déjà ressorti en fauteuil roulant après un combat. Où, juste après, j'allais à Disney. OK, on me pose en fauteuil roulant. Ah, du coup, tu as pu passer devant tout le monde pour les manèges. Tout ça pour le coup de fil. Non, mais c'est vrai. j'avais fait un combat. J'avais fait un combat assez dur. Et franchement, j'arrivais plus à marcher. J'avais mis tellement de coups de coude que les bras, ils étaient comme ça. Je ne pouvais plus aller des pieds, j'avais 2 boules. J'arrivais plus à marcher, donc j'avais un soigneur qui était venu avec moi à Disney. Et il m'avait mis dans un fauteuil. Et vas-y, galérer là-dedans, tu vois. Et pourtant, malgré tout ça, tu repars sur d'autres combats. Quand même, il faut être un peu maso. Faut être un peu sado pour, en vrai, on pour kiffe, partir en vrai. Sur des... Et c'est ça, c'est... Ouais, c'est faut être non, maso. C'est prendre du plaisir dans la douleur, quoi, en fait. Hein. Enfin, mais il y a... Après les combats, on en parlait aussi, mais c'est après les combats que vraiment le kiff, il est... Le kiff, il est... Tu souffres pendant la prépa. C'est le plus dur, c'est la prépa. Ouais, c'est la prépa. Prépa, c'est horrible. Prépa et perte de poids. Oh, c'est horrible. Moi, je dirais vraiment les 2 dernières semaines, c'est les pires. Le jour du combat, finalement, c'est l'aboutissement. C'est « Ah, enfin, j'y suis !» Parce que tu viens de galérer sur une prépa où t'en as... Pardonnez-moi, hein, t'en as chié. Et après, le combat, t'as mal. Ouais. Mais t'as ce sentiment de... Satisfaction, je l'ai fait. J'ai mal partout, mais la prépa... Alors, si tu gagnes, la douleur est... Oui, t'es content de l'avoir. T'es trop content. C'est ça. Si tu perds, bon, elle passe un peu moins bien, mais en vrai, vas-y, c'est comme ça, c'est le métier. C'est ça. Donc, en vrai, tu la prends toujours bien. À part si, bah, je sais pas, moi, j'ai jamais eu trop de trucs vraiment durs, mais pour ceux qui ont vraiment des trucs durs, peut-être qu'ils le prennent mal.
mais ça fait partie du métier en vrai. Ah, c'est ça. Mais par contre, quand tu gagnes un combat et que tu as mal partout après, ouais, tu l'oublies vite. Tu kiffes. T'inquiète, je connais ça. J'étais même très content de... d'Alexis Nicolas. J'ai mis 3 jours à m'en remettre, donc je sais pas comment vous faites. Bon, allez, on va parler de ta transition parce que alors tu as tout gagné dans ton sport. Hein, attention, référence. Ta transition, ça peut, tu vois. Ça peut. Ça, on en parlera après. Voilà, on en parlera après. Non, mais tu as tout gagné dans ton sport et tu as décidé de tout remettre à zéro, partir dans une autre discipline qui est le MMA. Déjà, pourquoi tu as pris cette décision ? C'est... Le but, c'était encore de te mettre de nouveaux défis, de te challenger ? Pour plusieurs raisons. Alors déjà, moi, je regardais le MMA hein, petit, sur RTL9 et tout, avec mon père à l'époque. Donc ça, c'est quand même le sport de combat le plus libre. Et quand tu es champion de ce sport-là, bah, vas-y, t'es vraiment, pour moi, tu es champion de tout, quoi. Et puis donc ça a toujours été dans ma tête, dans un coin de ma tête. Je voulais finir en MMA, c'est sûr. Je ne savais pas quand, mais je voulais être en MMA. Et bah, du coup, ça s'est fait là. Ça fait, maintenant, je suis à la bonne école en MMA, donc dans ma team à Montpellier. Et puis, on s'entraîne très, très bien. Et donc, pour cette raison-là, déjà d'être le plus fort dans un combat libre où tu rencontres pas mal de différents styles de combat, des oppositions de styles, c'est super. Moi, j'aime beaucoup, dans un point de vue sportif. Ouais. Pour un autre point de vue, la boxe thaï, c'est très, très dur. On se bagarre, mais pour un peu rien. C'est ça, s'il n'y a pas d'argent, concrètement. Pas d'argent, il n'y a pas de notoriété, ouais. Tu es obligé d'être... de vraiment faire du résultat, avoir encore, une histoire derrière. Hein, tu vois même toi qui a des résultats de dingue, ouais, c'est voilà, dur de vraiment percer. Quoi. Si je fais la même chose en MMA, ça donne envie parce qu'il y a tout qui tombe, tu vois. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Si j'arrive à faire la même chose, ça donne envie. Tu te bats, même pour les jeunes qui arrivent, hein, tu leur dis la boxe thaï, super dur, et tu gagnes rien, vas-y. Ouais. Et le MMA, très dur aussi, mais par contre, ça paye en notoriété, ça paye en argent, ça... T'as de la reconnaissance, tu as ce que tu mérites. Donc ça, t'as pas ça. Et bah, par contre, est-ce que t'as pas plus de concurrence parce qu'on voit maintenant tout le monde en fait s'oriente vers le MMA. Peut-être en France, hein. Ouais. Mais attention, en boxe thaï, y a de la concurrence partout dans les pays. Hein. Moi, je faisais des championnats du monde, on était 50-56 dans ma KT à 70. Ouais. J'ai fait 5-6 combats en une semaine. C'était la galère quand même. Mais en France, il y a maintenant, depuis qu'il y a le MMA, ouais, il y a une grosse population. Mais tant mieux. Ah oui, il y a un vivier de combattants qui est incroyable. Maintenant. Ça serait facile, tout le monde le ferait. Il y a une question, justement, par rapport au sponsor et au tatouage. Ouais. Ça dit, je vois sa tête, ça va être une connerie, je vais commencer à le connaître. Et rapport à la diarrhée, il dit, est-ce que tu pourrais te faire sponsoriser par Imodium ? Avec plaisir, s'ils envoient l'oseille, bien sûr. Pas mal. Mais moi j'avais une petite question parce que nous on reçoit pas mal de sportifs, tu vois, à Sport en France, différentes disciplines, et à chaque fois un truc qu'on remarque c'est que les grands athlètes ont de l'ego, forcément, ça fait aussi partie pour performer, il faut avoir de l'ego. Toi t'arrives en MMA dans une nouvelle salle, t'arrives avec ce statut de champion du monde de boxe thaï, et tu dois accepter de un peu te faire marcher dessus, de tout réapprendre, de redémarrer de zéro. Comment tu l'as vécu ça ? T'as dû mettre l'ego de côté là pour le coup ? Ben non, j'ai pas mis de côté. Parce que c'est ce qui m'a fait charbonner. Ouais. Je l'ai pris très mal, parce que forcément, tu te fais soumettre, tu te fais étrangler, tu ne connais pas, par des gens qui sont là depuis longtemps, mais qu'ils ont pas, on ne les connaît pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, je le prenais mal, mais pas envers la personne, envers moi, tu vois. Comment ça ? Et en fait, l'ego, je ne l'ai pas mis de côté. Je l'ai mis de côté envers les autres, mais pas envers moi. Et ça m'a permis d'aller plus vite, de charbonner, parce que tous les soirs, je rentrais chez moi, je ne comprenais pas. J'étais énervé envers moi, je dis pas, c'est ok, il me l'a fait une fois, il va pas me le faire deux fois, peut-être il me le refait une deuxième fois, jusqu'à ce qu'il te le fasse plus. Ouais. Et en fait, quand tu as cet ego-là, et tu rentres pas chez toi en mode bon, ça c'est bon, la semaine prochaine, ça passera, ou je sais pas quoi, mais que tu te prends la tête tous les soirs après ton échec, et ben cet ego-là, en tout cas pour moi, il m'a servi à aller plus vite dans mon apprentissage, et maintenant de kiffer carrément. Le grappling, le sol et tout, je kiffe. Alors qu'avant, putain, je posais mes fesses par terre, c'était un calvaire pour moi, tu vois. Ouais, c'était pas à l'aise. Et non. Et maintenant, je kiffe. Maintenant, je commence même mes combats en grappling au sol. Par terre, lui, il est sur moi, tu vois. Ouais. Donc, c'est dans le MMA, on est toujours dans le MMA. Ouais, dans le MMA, c'est plus un plaisir, tu vois. Et donc, voilà, cet ego-là, il m'a servi à aller plus vite. Mais je l'ai pas mis de côté. Hein. Okay. Je l'ai juste pas fait voir. Ouais, mais c'est bien, parce que c'est encore le leitmotiv de se dire, ok, je suis 7 fois champion du monde, il y a un gars, ça fait 2 ans qu'il fait du grappling, il me passe un étranglement arrière, non. Après, c'est vrai que là, on a besoin justement de cet ego, de dire, non, pas moi, c'est pas possible.
Après, tu sais ce que c'est souffrir, tu sais ce que c'est charbonner, et voilà. Après, les gars de ma team, ils sont super parce qu'ils m'aident. Ouais, mais la bonne école, c'est une très bonne team. Ouais. Ils m'aident beaucoup. Déjà, ils sont spécialisés là-dedans, ouais. dans le sol, le grappling, la lutte, ils sont forts là-dedans, tu vois. Ouais, et en fait, ils m'aident à comprendre, à progresser vite. Les boxeurs et tout, quand je ne comprenais pas, je leur demande, ils m'expliquent, Ilyes, ils m'expliquent, Laïd, ils m'expliquent. Donc moi, ce que je peux leur apporter en pied-point, c'est cool. Ce qu'ils m'apportent en MMA, c'est grave cool. On est complémentaires, on avance comme ça. Je m'entends très, très bien avec eux. Je les connais depuis des années. Et puis, tout le monde est bien et bienveillant avec tout le monde. Je ne vais pas dans une salle et c'est la guerre. Ouais, non, ils sont bien. Moi, je pique pas mal de leurs élèves sur les différents galas. Et franchement, c'est une bonne mentalité et tout. Ouais, vous finissez pas les sparring sur le parking ou dans les vestiaires. Non, c'était quand on était. C'est l'époque. T'es à l'époque, ça. Bon, on va revenir rapidement quand même, parce que t'as déjà combattu en MMA. T'as fait un combat à l'UAE Warriors à Abu Dhabi contre un Ukrainien, Daniel Danchenko. C'était en 2021. C'est un lutteur, lui, en plus. Hein. Qui est un lutteur et qui est à 7-2 maintenant. Ouais, donc il a enchaîné avec 3 victoires, c'est ça, derrière le combat contre toi. T'es à 4-0, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. 4 plus 3, je pense que ça fait 7. C'est bien. Ouais, t'as vu. Mais je progresse. Ouais, c'est bien. Mais comment tu t'es senti alors? Parce que c'est quand même un autre univers. Hein. T'es dans la cage, le sol, l'ambiance. Parce que pareil, le Muay Thai, c'est très ritualisé. MMA, tu vois, c'est carrément une autre ambiance. Quoi. Comment tu l'as vécu, toi, Jimmy? Moi, je suis un mec qui m'adapte beaucoup. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai connu que la boxe thaï ou le kickboxing que je suis formaté là-dedans. Non, je m'adapte beaucoup. Et déjà, c'était mon premier combat après Covid. Donc, ça faisait un an et demi que j'avais pas boxé. J'ai recommencé par le MMA, mon premier combat de MMA avec 2 mois de prépa avec un entraîneur qui était à Abu Dhabi, Rachid. Et puis, il s'est très, très bien occupé de moi, ça a été super. Et pendant des années, il était dans la team de Georges Saint-Pierre. Okay. Donc, il connaît très bien, on lui a fait confiance et ça a payé. Mais j'avais 2 mois de prépa, j'étais pas à l'aise. J'étais pas bien dans mon striking parce que j'avais peur de me faire amener au sol. Donc, j'étais très restreint dans mon striking. Maintenant, je suis beaucoup plus confiant parce que je sais que je sprawl et que je lutte bien. Donc, c'est plus facile. Mais pour mon premier combat, c'était compliqué. C'était compliqué parce que j'étais timide, en fait. Et c'est pas dur d'adapter, enfin, je sais que c'est dur, mais ton striking qui est pur moué pour le MMA, où tu sais que ton striking il est destructeur. Là, en MMA, faut l'adapter. Et tu vois, on en parlait aussi en off. Cédric Doumbé, moi, je trouve qu'il a perdu en qualité striking parce qu'il doit adapter au MMA. T'as pas peur de ça un peu, de perdre un petit peu ce gros niveau que t'as en mouais? Mon premier combat, j'étais déçu de ma prépa, de mon striking, parce que ce mec-là, je le boxe en pied-point, je l'éteins. Oui, non, mais c'est clair, il n'y a pas photo. Mais moi, j'étais déçu parce que j'étais trop timide. J'étais pas un assassin, je cherchais pas à faire mal, en fait. Je cherchais à pas me faire emmener au sol. Et je l'ai bossé dur parce qu'après ça, j'ai enchaîné 11 combats en pied-point. Ouais. Mais j'ai continué ma prépa en MMA, en cachette. J'ai bossé. Maintenant, je suis super à l'aise. J'ai mon striking que j'ai adapté en MMA, mais qui n'est pas si différent que ça finalement. Tu vois. J'ai adapté des mouvements juste, le poids de corps aussi que j'ai adapté. Mais maintenant que j'ai confiance en ma lutte, mon sprawl, même en mon sol, je suis beaucoup plus confiant et je libère beaucoup plus mes poings, mes jambes, mes genoux, un peu tout. Ouais, moi, j'ai hâte. Il y a une phase que j'ai hâte de voir avec Jimmy en MMA, c'est Sock, les coudes. Parce que j'ai pas encore vu un combattant de MMA bien utiliser les coudes. Ils savent pas utiliser les coudes. Bah, on va dire que c'est pas leur jeu. C'est pas, voilà. Mais toi qui sais utiliser Sock, je me dis ça va être. Moi, le moindre trou, je le sens, en fait. Oui, c'est ça, ouais. Je le sens carrément. Ça devient instinctif que le mec, il est pas solide sur ce bras-là. Voilà. Après, il faut faire attention aussi à ne pas qu'il chope en lutte. Bien sûr, parce que c'est un travail différent. Comme eux, comme j'ai dit, ce n'est pas leur jeu. Mais par contre, ils sont très forts quand ils te prennent. Ouais. Donc, c'est à moi de bien adapter les choses et surtout être intelligent et pas tout miser. J'en dirai pas plus. Oui, mais non. Vas-y. Ça sera la surprise. Comme ça, les gens, ils regarderont. Mais attends, voilà, fais ton surnom quand même, hein, Golden Elbow. On bosse bien et j'espère que ça va payer en tout cas. Et il n'y a plus qu'à maintenant. Bon, j'ai hâte. Et quelle catégorie tu seras? Tu restes 70 kilos. Ouais, 70 kilos. J'ai aucun mal à cette catégorie-là. Ouais, le cutting, ça va? Ça a été pour ton combat MMA, le cutting? Ouais, mais tous les combats. D'ailleurs, au combat MMA, j'ai connu le bain pour la première fois. Ouais. Donc je l'ai reproduit. T'as jamais pris de bain avant dans ta vie, quoi? Jamais. même pas de douche. T'avais cuté combien? Le jour même, tu veux rigoler? 1 kilo.
Ah ouais, bah ouais. Je te promets. Mais moi, j'étais comme ça le jour même. Jamais j'arrive le jour même. Voilà. C'est ça. Mais c'est parce que dans le mouet, on cut pas. Mais attends, j'arrive le jour même, 1 kilo. Le matin, la pesée, c'est dans 3 heures. Je dis à mon coach de MMA, je dis, wow, c'est chaud, 1 kilo et tout, faut que j'aille courir et tout. Je dis, mais non, t'inquiète pas. Il m'a fait mon bain et tout, j'ai perdu même beaucoup plus, parce que j'avais bien bu. Et je fais, wow, de la magie. Tu sais, même pas fatigué et tout, parce que j'ai fait qu'une fois, tu vois. Ouais, ouais. Qu'un bain. Je l'ai reproduit à tous mes fights où j'avais du 3 kilos à perdre le jour même. Ouais. Easy. Il y a juste, au one, c'est une pesée hydratée. Ah, ok, ouais. Donc ouais, tu peux pas faire ça. Tu peux pas, ouais. Tu dois descendre sur la nourriture et pas descendre sur l'eau. Okay. Donc c'est une autre prépa. Et celle-là, elle est dure, tu vois. Parce que tu dois être au poids avant. Enfin, faut vraiment bien calculer la bouffe, tu vois. Bah, je trouve ça mieux, moi. Puis déjà, c'est moins dangereux. C'est pour ça, de toute façon, qu'ils ont mis ça en place. Ouais. Hein. Il y a eu des morts et tout. Hein. Ouais, pour moi, c'est pas que c'est mieux, c'est que c'est un autre travail. Parce que moi, dans tous les cas, je ne cutte pas. Je suis à 77 à l'année, mon poids de forme, 76. Et je combats à 70. Donc, c'est pas, je ne monte pas à 85 ou 90. Oui, voilà, tu n'as pas un gros truc. Donc, pour moi, je préfère avec le cutting, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un bon exercice, le one, pour l'hydratation. Je n'avais jamais fait. Donc là, je peux dire que j'ai fait toutes les pesées qui existent. Ouais. Hein. Peser tous les jours, peser le jour même, peser hydraté, peser déshydraté. Mais c'est un bon exercice, par contre. Bon, bah, on va te faire un autre exercice, tout de suite. Ah oui. On aime bien avec Seb, c'est le face-off, c'est parti. Le tableau. Rubrique très simple, le face-off. On va te mettre une photo avec un combattant sur la photo, une personne, et puis tu devras t'adresser directement à cette personne. Ok, bah, c'est parti. La première personne que tu connais bien. Fais attention aux épines. Oui. Non, parce que faut le préciser quand même, t'avais fait une énorme guerre contre Cédric Doumbé en kick, c'était au Glory. Ouais, magnifique. T'en penses quoi d'ailleurs là de Cédric Doumbé en MMA, ses choix, ses combats Alors déjà pour revenir à mon combat avec lui, moi quand tout à l'heure tu me disais les combats que t'es pas très satisfait, ce combat j'étais pas satisfait. Ouais, ok. J'ai boxé un mois avant. Tu avais quand même pété deux côtes, c'est ça? Ouais. Et j'avais gagné le deuxième round. Ouais. Mais j'étais pas satisfait. Parce que j'aurais pu faire vraiment mieux. Ceux qui me connaissent, maintenant c'est passé, il n'y a pas d'excuses, on est des athlètes. Hein. Mais moi personnellement, je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Des middle plus rapides, plus claqués, tout ça. Il y avait la place pour le battre, bien avec le genou. Hein, tu dis que t'aurais aimé faire mieux. Est-ce que tu penses que ce jour-là, si on avait si j'aurais fait mieux, Jimmy, entre guillemets, il y aurait eu la place pour le battre? Oui, largement. Okay. Largement, parce qu'il a fait des erreurs. Il a fait des grosses erreurs. Et malgré ça, je gagne le deuxième round, je lui casse deux côtes. Et en vrai de vrai, quand on regarde bien la vidéo, je lui mets deux patates. Normalement, il y a deux comptes. Parce qu'un boxeur, il met ses genoux par terre, t'es compté. Hein. Moi, je me suis fait compter deux fois. Lui, normalement, il y a deux comptes aussi quand tu vois que je le touche et qu'il tombe devant moi. Bon, lui, il joue super bien avec qu'est-ce qui se passe? Et voilà quoi. Mais malgré tout, je pense que si on aurait fait un fight et qu'il n'y aurait pas eu d'erreur d'arbitrage, parce que lui, c'était un pur produit du Glory et que moi, je boxais partout ailleurs, il y aurait eu un match nul. Ouais. Si j'étais vraiment en forme et que j'étais prêt à ce combat-là, parce que oui, j'étais en short notice, on m'a appelé 5 jours avant, et c'était dans sa catégorie de poids, 77. 77, ouais. Je pense que j'aurais fait une meilleure prestation. Ok. Donc là, Cédric Doumbé, ça fait maintenant un petit moment qu'il a fait sa transition vers le MMA. Ouais. Est-ce que tu comptes t'en inspirer de ce qu'il a fait? Est-ce que ses choix, t'es plutôt partirais pareil que lui, toi, ou tu ferais différemment? Au niveau déjà de son truc médiatique, il a grave géré. Pour dire la vérité, il est trop fort là-dedans. Moi, c'est pas mon délire, donc je le ferai pas. Je préfère la performance. C'est plus long, mais c'est plus efficace. Ouais. Et donc, son trash talking, c'est très bien pour lui. Ça lui va très, très bien. Et force et chapeau pour ça, parce qu'il a géré ça. Ses choix de combattants, bah, il a été intelligent, il a pas pris des shows, à part Baki. Ouais. Mais il n'a pas pris des shows qui l'ont mis en difficulté. C'est bien, il a monté son buzz petit à petit et tout. Je trouve ça bien aussi. Après, sa manière de combattre, moi elle me plaît pas trop. Je l'ai trouvé meilleur en pied-point. Plus fluide, plus technique. Bah, après, là, c'est le MMA, c'est différent. Il a adapté. Mais je trouve qu'il compte beaucoup trop sur son point. Et sur ses points. Et ça marche avec des gens qui sont peur, qui sont machin. Mais quand tu tombes sur des mecs chauds, comme par exemple Baki ou d'autres personnes qu'il peut rencontrer, ils vont l'attendre et tout ça. Et je pense qu'il s'est bridé. Ouais. Avant, moi, je le trouvais plus fort. Ah oui, en pied-point. Largement. Donc là, il est prêt à se prôler et tout, ça se voit, tu vois. Bah ouais, il est... Mais je le trouvais quand même plus fort en pied-point. Travail de lutte, hein, il a fait effectivement, mais au détriment de son striking. Et j'aime pas trop de la façon comment il s'est adapté. Vraiment, je le trouvais plus fort avant. Et même si c'est pas la même catégorie, hein, Jimmy Vienno, Cédric Doumbé en MMA, ça.
pourrait être faisable ou pas? On ne sait pas de quoi demain est fait. Après, nous, moi, je dirais jamais non et tout. Après, il faut qu'il y ait bien sûr les conditions qui vont avec. Faut que je monte bien en MMA, parce que là, ça n'a rien de parler pour rien. Faut que je monte bien en MMA. Faut que... En boxe thaï, c'était bien parce que lui, il était numéro 1 en kickboxing. Ouais. Moi, j'étais numéro 1 en boxe thaï. Tous les deux au Glory, ça a fait le match parfait en France, à Lyon. C'était différent. S'il y a une opportunité qui se présente comme ça, qu'on est, on est le top tous les deux, pourquoi pas faire un show, tu vois. Mais c'est pas ma priorité pour l'instant. Moi, c'est vraiment, j'ai d'autres priorités dans le MMA, c'est faire du record. Faire ouais, voilà, commencer à ouais. les échelons. Voilà, gagner, signer dans des grosses organisations, ouais. Faire sa place, quoi, tu vois, à 70 kilos. Ouais, 70. Et après, on verra, une fois que tu as fait ton trou, bah, tu as plusieurs opportunités qui se présentent. Tu peux faire des shows en anglaise, des shows, tu vois, tu as plusieurs trucs, tu vois. Ouais, bien Mais sûr. Pour l'instant, c'est focus vraiment, faut pas se perdre, tu vois. Focus okay. dans les objectifs. Bon, allez, la prochaine personne, on va enchaîner là, les autres personnes. Alexis Nicolas, qu'est-ce que tu lui dirais? Alexis, en plus, on a fait un face-to-face à Monaco une fois, à Sportel Award. Je lui dirais, je dirais on sort où? On sort où? Pas mal. Prochain. Allez-y, en régie, vous pouvez enchaîner. Oh, Dédéi, je dirais, on mange où? Il y a un burger à ton nom, j'ai vu ça. C'est toujours d'actualité, ouais. ça ou... Ouais, c'est toujours. Le burger Vienno. Burger Vienno, ouais. C'est ça. C'est au Japan Burger. Japan Burger, ouais. C'est un restaurant. Bah, il y a quoi dedans? Ouais, la recette du burger Vienno, C'est façon thaï. Donc, des légumes façon thaï, sautés avec la sauce thaï un petit peu. Burger, poulet, steak. Enfin, il y a pas mal de trucs. On peut le faire de différentes façons. Et là, il y a le menu Vienno qui va sortir, mais pas dans le même resto, dans un autre. Donc, restez connectés dans un autre restaurant sur Toulouse. Combien le burger Vienno, y a... Ça va, c'est le menu est à 15 balles. 15 euros hey, tu manges ça, t'as de la force après. Hein. Ouais, bon, ok. Vends-le comme ça, c'est bien. 15 balles, il y a voilà. dans le burger. Non, mais par contre, c'est copieux, tu manges vraiment bien. Ouais, bon, ok, tu nous l'as bien vendu. C'est pas pour moi, c'est pas... Bah oui, c'est vrai que tu manges pas de... Ouais, ça. Bon, allez, prochaine photo. Putain, fais un burger végétarien, Jimmy. Oh, lui, je dirais... Je t'ai croisé à Disney. Quand t'étais en fauteuil? Non, ah. Une autre fois. Ouais, j'y vais souvent. Oui. Une autre fois, je l'ai croisé à Disney. Ok, il y a une petite histoire aussi avec Franck Gastambide, je crois, parce que t'avais passé le casting de La Cage, la série qui va sortir en novembre, je crois, 2024. Ah oui, ouais. Sur le MMA. Ouais. Et t'avais pas été pris à ce casting. J'avais été casté pour un premier rôle. Hein. Ah ouais? Ah ouais, pas pour un rôle secondaire ou figurant ou silhouette. J'avais été casté pour un bon rôle. Et malheureusement, je n'ai pas été pris. C'était le premier casting que je passais pour un film. Maintenant, j'en ai au moins plus de 15 à mon actif parce que je suis dans une école de cinéma. Donc c'est ça qui m'a fait lancer d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est ça qui m'a fait lancer. C'est vraiment cet échec-là que je me suis dit, ouais, c'est pas possible, comment ça? C'est un peu pareil que dans les sports de combat, en fait, c'est l'ego. Après un petit coup, tu t'es dit, allez, non, allez, j'accepte pas et ça. Et du coup, comme je savais que j'étais au One et que j'allais boxer moins régulièrement, donc du coup, j'ai passé les auditions et je suis dans une école de cinéma. Donc ça m'a fait, j'ai passé plusieurs castings, j'ai tourné dans plusieurs trucs et tout. Et du coup, mais voilà, c'était mon premier casting chez Franck et j'ai pas été pris pour un rôle méchant. Mais par contre, je sais même pas qui est le rôle principal, moi. Je sais pas, encore sorti, j'ai même pas vu la bande-annonce. Ouais. Je vous dis, novembre 2024 sur Netflix. Ouais. Voilà. Ah, c'est Netflix ça. Ouais, c'est Netflix. Par contre, t'as fait un court-métrage, Les rêves ont un coût. On a la petite affiche. Tu peux nous dire de quoi ça parle? En fait, c'est dans l'école où je suis, ils organisent la cérémonie des renards. Ouais. C'est une cérémonie réputée avec pas mal de... Dans le jury, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de directeurs de casting, tout ça. Et tout le monde peut faire son court-métrage. Et puis après, tu es sélectionné et puis tu as des prix, les renards. Et moi, je l'ai fait et puis j'étais sélectionné. Donc, j'attends la réponse le 31 mai. Mais, j'étais très content, c'est la première expérience que je fais, donc j'ai co-réalisé. Ouais, c'est toi qui fais auteur. Voilà, avec mon agence AIB, et puis j'ai acteur principal dedans, et c'est moi qui avait l'idée de toute l'histoire, tout ça. Donc, Ah, c'est cool ça. Donc on verra bien, je me suis inspiré un petit peu de vite fait de ma vie, des bases, on va dire, que j'ai romancé. Et on verra si ça passe. En tout cas, ça a bien pris. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Je le diffuserai plus tard et on verra si j'ai été... Ouais, pour le moment, il n'est pas en diffusion. Hein. Non, il n'est pas en diffusion. Là déjà, j'ai fait la pub, j'ai été sélectionné. Ouais. J'attends sur plein de films. J'attends si j'ai une récompense. Et après, avec l'équipe, on va voir ce qu'on en fait. Mais en tout cas,
Ça m'a bien plu, c'est une sacrée expérience. Ouais, c'est cool. Moi, ça. J'ai juste une petite question là sur le cinéma. Pareil, on en a parlé tous les deux. C'était intéressant ce que tu me disais parce que tu m'expliquais que toi, tu as grandi dans le monde des sports de combat où on vous demande constamment de ne pas montrer vos émotions. Ouais, ouais, c'est ouais. Alors, et là, c'est tout le contraire. Tu dois exprimer tes émotions. Exactement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, dans le sport de combat, on t'apprend à... Bon, à part si tu veux jouer un mec dur ou tout ça, mais moi, c'est pas mon but, je veux savoir tout jouer. Un bon acteur, il faut savoir tout jouer. Forcément, c'est dur. Et en plus, à l'école, ils le savent, ils connaissent qui je suis. Et ils me font jouer des trucs sentimentaux ou d'amoureux. Ouais, enfin, un contre-emploi. Ouais. Avec des gens qui ne me correspondent pas, forcément. C'est un super bon exercice, ils sont super chauds, donc franchement, ça m'a bien fait progresser. Ouais. Et puis là, d'ailleurs, j'ai les échéances bientôt là, pour valider la première année. Et puis donc en gros voilà, si tu veux, dans le sport de combat, on t'apprend à être stoïque, à garder tes émotions, à rien montrer, t'es pas fatigué, voir que t'es fatigué. Bah, dans le cinéma, c'est tout l'inverse, tu dois absorber les énergies et pouvoir les ressortir. Et en vrai, ce qui est dur, c'est quand je joue quelque chose qui me ressemble ou quelque chose que j'ai l'habitude de faire avec les shows de boxe et tout, c'est facile, je m'en fous du regard extérieur, mais il faut que j'arrive à faire la différence avec le moi. Et la personne que j'incarne en vrai, parce que je suis quelqu'un qui incarne quelqu'un qui n'est pas moi, il ne faut pas que je fasse attention au regard des autres quand je joue quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui... Ça, c'est plus dur, mais vas-y, il faut réussir. Joue la tristesse, là. Qui pleure, là. Pleure. Vas-y, pleure, allez. Non, c'est intéressant. Allez, dernière petite personne que bah, là, tu connais normalement assez bien. Ah, je dirais, ça restera secret, ça. Je peux pas le dire ce que je lui dirais. Je dirais trop de trucs, en vrai. Il y a trop de phrases qui arrivent. Et tu considères, là, tu as 28 ans, bientôt 29, une grande carrière déjà. Tu considères bien te connaître, toi, Jimmy? Bah, je me connais de plus en plus et de mieux en mieux. Mais je pense que je suis pas à 100% de qui je suis vraiment. Ouais. Non, des capacités, bien sûr. Pour moi, je le dis tout le temps, hein, pour ce que j'ai fait, pour moi, jusqu'à 10%. Trop de trucs à faire. Mais moi, personnellement, on ne se connaît jamais vraiment et il y a plein de situations que je me découvre aussi. Tu vois, par exemple, dans le cinéma, on en parlait, je développe mon personnel de fou. Je me suis découvert une partie de moi que je ne connaissais pas. Parce que c'est quand même assez scolaire. C'était à l'école, tu es assis, tu joues, tu es avec d'autres élèves, d'autres gens. Moi, j'ai un souvenir pas comme ça à l'époque. Donc, là, c'est différent. Et ouais, même avec des pertes de poids, tout ce qui te rend dur, tout ce que tu fais qui est un peu dur et tout, c'est un développement personnel et tu apprends toujours de toi-même, en fait. Et le jour où tu apprends plus de toi-même, en vrai, tu es un peu mort. Hein. Je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour apprendre. Donc, ouais, voilà, tu apprends toujours. One life. Toujours. Ouais, bah voilà. C'est trop bien. C'est trop bien de pouvoir tout le temps se développer, d'apprendre, de changer, d'évoluer, tu vois. C'est trop bien. Clairement. Ouais, puis chaque âge a son... tu te découvres à chaque décennie, tu te découvres. Exactement. Tu vois, moi, à ton âge, jamais j'aurais mis des chemises roses. Jamais. J'étais sûr qu'à un moment dans l'émission, ça allait. Ça serait jamais arrivé. Mais c'est bien parce que tu te découvres. Ah, bah c'est oui, bien. Je me découvre petit à petit aussi. Je fais pas ma transition. Voilà. On va justement essayer de te découvrir encore un peu plus, Jimmy. On aime bien une petite rubrique avec Seb. Une situation, trois propositions. T'es obligé de répondre, mais bon, je sais que tu vas le faire. Hein. Tu vas jouer le jeu. Tu commences, Seb? Allez. Donc, tu ouvres une salle à Montpellier et il faut lui trouver un nom. Petit A, la Vie Knockout. Petit B, la Jimmy Family. Petit C, la Jimmy Lady Boxing. Non, la Jimmy Family. Ok. Ouais. Jimmy Family. Là, sur les valeurs. Allez, deuxième question. T'as hésité avec le Lady Boxing? Ouais, bah c'est tentant, en vrai. Faut dire la vérité. Hein. Alors, tu dois changer de surnom. Trois propositions. Petit A, Golden Grams. T'as la référence, ouais, les céréales et tout, ça va. Petit B, le chaton de Montreuil. Petit C, Kinder Vienno. Kinder Vienno. J'aime trop les Kinder. Ouais. Ouais. On te propose un rôle au cinéma, un rôle principal au cinéma. Petit A, Jimmy Potter à l'école des plombiers. Attends, c'est quoi comme film, ça? Ah oui, ceci est fantastique. Voilà. Petit B, Jimmy et la chocolaterie. Petit C, Jimmy Siffredi, la véritable histoire. Petit C. On avait changé avec Jimmy Lee Cricket, finalement. On se disait que c'était Jimmy Lee Cricket, c'était pas mal aussi. Petit C. Jimmy Siffredi, la véritable histoire. Bah, ouais, pas besoin de le redire. Okay. Allez, tu gagnes le pactole à l'UFC.
Petit A, tu dépenses tout dans des fringues parce que bon, ton style, c'est pas trop ça, c'est pas la Fashion Week. Hein. Petit B, tu nous donnes tout. Tu gardes juste 1000 balles pour les courses, mais bon, tu nous donnes tout parce que quand même, on t'a fait venir dans cette émission. Pas tout le monde qui peut faire ça. Petit C, tu investis dans la pièce de théâtre de Seb pour l'adapter au cinéma. Objectif, Festival de Cannes. Petit C, direct. Ah, le TP m'a cassé. Hein. Et la dernière. La dernière, tu dois te faire un nouveau tatouage. Petit A, le visage de Johnny Hallyday sur le pec. Petit B, l'écharpe de Doumbé sur la cuisse. Petit C, des tenders KFC un peu partout dans le dos. Ah, des KFC direct. KFC. Non, parce que gros consommateur de KFC. J'aime trop. Faut qu'on a une petite vidéo où on te voit aligner les tenders. Si je suis sponsor par eux un jour, c'est mon fast-food préféré. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, dès que j'ai... Ah oui. Hop là. En plus, c'est mon menu préféré, j'adore. Oh là là, j'avais mangé ça. On me dit qu'il y a un burger de Mr. V qui vient de sortir au KFC. Ouais, j'ai vu. YouTuber, ah oui, ouais. Parce que moi, je suis branché sur toutes les fast-food de trucs sur YouTube et tout. Je suis abonné à tous, là. Même les bonnes adresses de Paris et tout. Et là, il faut que j'aille tester la pizza cookie de Cédric Rollet, là. La pizza cookie. Ah oui, ouais. Faut que j'aille la tester. C'est une liste que j'ai après chaque prépa. Ouais, il est chaud. C'est une liste que j'ai après chaque prépa que je coche, là. Donc, j'ai un sandwich à aller tester au marché de Montreuil aussi. Ah ouais. Ah ouais, faut que j'aille tester ça, là. Donc voilà. Ah, t'as une liste, tu te fais une liste? Ouais, j'ai une liste à tester. Okay. Là, il me reste deux trucs. La pizza de Cédric Grolet et au marché de Montreuil, là. Le chef étoilé, hein. Ouais. Ou un meilleur ouvrier de France. Mais attends, pendant que t'es dans tes prépas, entraînement à fond, régime et tout, tu te fais une liste de fast-food à tester ou de resto à tester? Surtout les deux dernières semaines, parce que là, je suis dans le mal. Ok, pour te motiver, pour continuer, et après tu te dis, ça va être le plaisir. Surtout pour me dire, putain, j'ai hâte. Et une fois que je boxe, je fais ma liste. Énorme. Je la coche tous les jours. Et après, je repars en prépa. Parce qu'en prépa, moi, je bouge pas une oreille. Hein. Okay. En prépa, je suis très sérieux. Toutes mes préparations... C'est pour ça One Life, parce que aussi toutes mes préparations, je les fais de A à Z. Je suis sérieux, je vais pas, je sors pas, je bois pas, je mange pas grave. Vraiment, je suis vraiment très sérieux. Je combat, je suis très sérieux. Après la pesée, je suis très sérieux. Hein. Je mange pas des fast-food et tout. Je mange vraiment le menu de ma nutritionniste Cécile, tout reconstitution. Ouais. Je suis vraiment carré. Et après le combat, je suis très sérieux dans la folie aussi. Ah, voilà, ça. Je suis dans les extrêmes. Je sors tous les jours. Maintenant, je me suis calmé, mais je sortais tous les jours. Je mange tout ce que je veux. Mais des bons trucs, tu vois. Je fais pas le glouton en mangeant tout et n'importe quoi. J'essaye de manger des vrais trucs, mais souvent, toutes les deux heures. Donc, et après, dès que la prépa recommence, parce que je suis tout le temps en prépa, et allez, on redevient sérieux. C'est des cycles comme ça que je fais depuis 15 ans. Ok. Ça paye. Mais souvent, les athlètes, de toute façon, vous êtes dans les deux extrêmes. Dans l'excès. C'est très souvent. C'est vrai. Bon, Seb, tu vas nous faire découvrir une nouvelle organisation. Je sais pas si Jimmy connaît, mais on va te faire découvrir ça tout de suite. C'est le Que du Love. C'est parti. Le Que du Love, cette semaine, c'est tout simplement le Combatté Global, donc organisation américaine fondée par Campbell McLaren, qu'on a reçu ici lors du MMA Chain Fight 2. Ouais. Alors pourquoi Que du Love? Déjà parce qu'on a la chance de pouvoir l'avoir en clair sur la chaîne gratuite Sport en France. C'est une première. C'est une première. RMC l'avait diffusé, mais c'était payant. C'est une chaîne payante. Première en diffusion gratuite. Donc là, nous, c'est diffusé tous les lundis. Donc, organisation américaine qui met en avant un peu plus les combattants hispaniques de toute l'Amérique du Sud. Alors, également des combattants américains, combattants français, puisque Claire Lopez va combattre le 22 juin, si je ne dis pas bêtises, dans ses alentours. Et donc, voilà, on a commenté le premier lundi dernier. Très, très bel événement. On voit les images, de très beaux combats. Le format est vraiment sympa parce qu'il y a 4 combats, c'est télévisé, c'est en studio, toujours, c'est à Miami. Et donc, ça met en avant de jeunes combattants plutôt que des combattants aguerris, parce que c'est quand même une moyenne d'âge de 25 ans. Ils privilégient le striking, donc c'est pas pour me déplaire. Et donc voilà, c'était mon Que du Love parce qu'on a la chance de l'avoir en clair sur une chaîne en France. Et ça, c'est une première. Ouais. Et voilà. Tu le disais, le striking très spectaculaire, un taux de finition de plus de 70%. 70% par KO en striking. Donc voilà, ça privilégie le spectacle. Ils mettent également en avant les femmes énormément. Ce qu'ils mettent en avant, c'est le fait que oui, ce sont des femmes, oui, elles combattent, mais c'est pas parce qu'elles combattent qu'elles ne sont pas féminines. Ouais. Et c'est vrai, on l'a vu avec le combat Luna contre Lara. Deux jolies femmes qui combattent, qui font du spectacle. Ça se finit par KO dans le premier round. Voilà, que demande le peuple, quoi.
Et d'ailleurs, lundi prochain, Combatté Global sur Sport en France. Exactement. Commenté par Lucien et sa belle chemise rose. Ouais, ben, non, je ne la mettrai plus, c'est fini. Tu connaissais le Combatté Global ? Ça te parlait pas du tout ? Non, je ne connaissais pas. Non. Belle orga depuis 2011. Hein, fondé en 2011. C'est ça, 2011, c'était Combatté Americas, je crois, au début. Et après, c'est devenu Combatté Global en 2021, je crois. C'est ça, Combatté Global MMA, Much More Action. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Bah justement, de l'action, on va en avoir tout de suite. C'est parti, c'est notre rubrique, la bagarre. Alors, on a eu le Jimmy combattant, le Jimmy acteur, le Jimmy blagueur, mais aussi le Jimmy écrivain. Auteur. Auteur, écrivain, avec ce livre, hein, les 50 techniques du Muay Thai. Alors, cette rubrique, elle est très simple. La bagarre, je mets le plastron et je me fais défoncer. Hein, voilà. Ouais, on peut l'expliquer comme ça. Mais vu que tu as écrit ce bouquin, on a décidé d'innover un peu. Je vais ouvrir une page au hasard. Je vais le faire. Attends, tiens, avant, explique-nous quand même ce bouquin-là. Comment tu as eu l'idée de l'écrire ? Comment ça t'a En fait, c'était pendant le Covid. Il fallait rester actif. Ouais. Et du coup, j'ai sorti des vidéos sur ma chaîne, sur Facebook, de techniques et de petits entraînements qui avaient super bien marché. J'ai fait quelques millions de vues et tout. Ouais. Donc, je me suis dit, bah vas-y, je le fais en livre. Et en fait, je l'ai sorti en livre pendant le Covid. J'ai fait 3000 exemplaires. Ils sont quasiment tous partis. Beaucoup par réseaux sociaux, dès que je l'ai sorti. J'en ai, je crois, la moitié, 1500 qui sont partis. Et après, le reste en stage. Là, il ne m'en reste pas beaucoup que j'ai. Et peut-être que je vais refaire une deuxième édition, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai quasiment tout vendu. Et c'est super. Justement, tu parlais du sport au féminin. J'en parle dedans aussi. J'ai voulu mettre un peu... la lumière sur pas mal de petits points. Il y a les techniques, mais il y a aussi quand même pas mal de petits points avant. La préparation physique, la nutrition, le sport au féminin, tu vois, où j'interviewe des personnes et qui m'expliquent leur histoire un petit peu. Il y a aussi Xavier Lafaille, tu sais, en tant qu'arbitre, l'histoire du Muay Thai et tout ça. Et j'ai voulu faire un livre sur pas pour les puristes, mais pour un peu tout le monde, pour ouvrir la boxe thaï aux gens. Et que surtout pour tous les sportifs juste qui kiffent et qui peuvent lire, pas vraiment pour les champions ou les boxeurs. Non, c'est vraiment un livre pour tout le monde et faire découvrir le sport. Ouais. Et là, on peut se le procurer où, là, en ce moment ? Voilà, là, t'en prends. Là. Voilà, là. Non, sur réseaux sociaux, ils envoient un message et l'équipe gère la vente. Okay. Donc, voilà. Bon, on va ouvrir la boxe taille sur le plateau de MMA Chilen Fight. Vas-y, une page. C'est ce qu'on va faire. T'as ouvrir au hasard, là, ou... Non, il prend la page qu'il veut, en fait. Non, je veux pas, parce que... T'as reçu des coups de genoux ? Ouais. Ah putain ! T'as reçu des... Je voulais te le mettre. J'ai eu Delphine Benouet, mais t'as pas eu le mien. Ouais, non, ça va. Ouais. T'as reçu des crochets ? Ouais. Loïc, t'as reçu un direct, Jérôme ? Ouais. Low kick aussi, Alexis. Ouais, mais t'as jamais reçu un bon middle Jean Barrière. Oh oui. Et comme Jimmy a un middle Jean Barrière de toute beauté, et ben il va te mettre un gros middle. Ça me fait plus peur, moi. Tu sais, maintenant, je peux te dire que sur mon CV... Allez, c'est parti, mets-moi le plastron. Commence à en avoir l'habitude. Voilà, petite musique et tout. Il est vachement bas là. Non, c'est bon. Voilà, non, t'inquiète. Ça va, il est le bien. Le premier qui m'a mis un coup, c'est Jérôme Le Banner. Ah, il a dû te. Non, mais au début, il tapait pas fort. Ouais. Et donc, à un moment, je lui ai dit, vas-y, tu peux vraiment y aller. Et j'étais en train de parler, il m'a frappé. Ça m'a fait reculer. C'était. Mais un jour, vous allez voir, un jour, c'est moi qui vais mettre les coups. Tout petit, alors, tu fais combien de kilos ? Moi ? Je fais 75. Donc ça va être, tu vas le prendre là. D'accord, tu vas le prendre. Ah ok, mais attends, tranquille hein, Jimmy, les neutralités ils sont plutôt... Alors ce qu'il faudrait c'est, tu vois, pour combien un petit de pourcents tu choisis. Tu vas mettre juste un petit, donc toi t'es droitier, moi, tu vas mettre juste un petit low kick jambe avant, histoire qu'il fasse juste le blocage pour une remise middle jambe arrière. J'ai peur. Voilà. Ah, j'aurais, on va avoir des problèmes avec cette émission. Pas, attends, mais tu commences doucement quand même. Ah, je commence doucement, je le fais plusieurs fois. Là on voit bien. Attends, je fais comment ? Comme ça ? Juste ça, il va bloquer, et après, il va remiser. Alors surtout, ne bouge pas. Et moi, je vais même pas faire de low kick. C'est pas grave, c'est le geste. Vas-y, refais. Ouais. Tac. Là, t'étais à combien de pourcents ? 5, 10. Ok. Mais tu disais que t'étais à 10% de tes capacités, c'est bon. Hein, attends. En vrai, avec le plastron, ça va, mais... Des mélodies. Ok, encore un. Allez. Attendez. Ok, d'accord. Ça va. C'est pas mal. C'est... Non, mais...
C'est, alors, au-delà du choc et du côté rigolo, la technique, là, pour ceux qui regardent. Ouais, tiens, tu peux nous l'expliquer, j'ai plus besoin du plastron. La hanche qui passe, elle est magnifique, le geste, il est pur. Tu peux nous l'expliquer un peu, genre la technique sans frapper. Mais... En fait, tu vois, j'ai trouvé la distance parce que quand tu bloquais, tu restais sur place. Ouais. Donc, le premier coup que je t'ai mis, j'étais trop près. Tu vois. Okay. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit pas comme ça pour pouvoir bien sortir ma hanche. Et en fait, tu sors d'abord ta hanche, puis ton genou qui suit, et ton pied, il est un peu tordu, il est dur. Et ça, tu ne penses même pas. Et là, ça met ton middle. Légèrement sur la pointe des pieds, avec une main comme mais ça. Mais tu tapes avec le... Le tibia. Ah ouais, le tibia. Le bas du tibia. Ouais. T'es comme ça. Boum. C'est bon. On a technique compris. Que vous retrouvez dans le bouquin. Hein. Ouais, ouais, là, franchement, technique, je l'ai pris vraiment dans le bouquin. À ne pas reproduire chez vous. Non, mais à reproduire à l'entraînement. Ouais. Et vraiment, c'est hyper, hyper ludique. Parce que c'est expliqué de façon très simple. Effectivement, comme tu disais, c'est pour tout le monde. Même si tu ne pratiques pas, bah, tu regardes, tu essayes de reproduire. C'est vachement bien fait. Moi, maintenant je lis. Avec l'école, je suis un peu obligé. Ouais. Mais avant ce livre-là, je n'ai jamais lu de livre. Ouais, tu n'as jamais ouvert. Ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'images déjà. Mais je me suis dit, si moi j'arrive à lire un livre alors que j'aime pas ça, c'est bon, je le valide. Celui-là, j'ai réussi à le lire sans trop d'efforts et surtout, ça m'a plu. Tu vois je me suis pas dit, c'est quand qu'il se finit. Donc du coup, bah, je l'ai sorti, je l'ai validé en le lisant, je l'ai sorti. Si ça m'aurait fait chier, pardon de l'expression, j'aurais même pas sorti. Ouais. Si j'étais là comme ça, pff, relou le livre, je le sors pas. Non, mais c'est hyper bien expliqué. Crochet, uppercut, genou, high kick, t'as 4 photos, 4 petites légendes. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de texte. C'est succinct, mais c'est hyper didactique. Il y a plus de texte au niveau des premiers des thèmes. Du bouquin. Mais si vous voulez, je vous propose un truc. On se fait chaque page une technique. Jimmy, il me fait chaque technique. On va prendre une petite heure, là. Ça va être et puis voilà, sans le plastron. Donc vous, sans plastron, c'est mieux. C'est mieux sans le plastron. Voilà. Hein, qu'est-ce que t'en penses? D'ailleurs, Manu, c'est celui qui est mon partenaire dans les photos. C'est celui qui est, c'est mon sparring depuis 10 ans, qui a aussi commencé chez Dédé, un ancien combattant, maintenant il est coach. Et il m'aide à faire les séminaires partout quand je suis appelé. C'est mon teneur de PAO et il structure les séminaires avec moi. Donc il m'accompagne beaucoup. J'ai vu que tu en avais pas mal là. Tu as pas mal de stages, dont un avec Thomas. Thomas Loubersan, non, tu fais pas un... Oui, en août, bien vu. Ouais, j'ai vu ça. En août, j'en ai 3 en août. Ouais, t'en as 3, j'en ai en Suisse aussi. J'en ai un en Suisse en août. Là, j'en ai un ce mois-ci en Suisse. Ouais. En août, j'ai en Suisse, j'ai avec Thomas à Tours. Ouais. J'en ai un en Thaïlande chez Wilfried Montagne. Ouais. J'en ai 3, donc ça va être cool. Et après, j'en ai à peu près 1 ou 2 par mois. Ah, c'est bien ça. Et je les place en fonction de mes prépas. Je le fais jamais en préparation. Ouais, ouais, ouais. Juste après, j'enchaîne. Des fois, j'enchaîne 5 stages en une semaine juste après le combat. Ouais, bah ouais. Le plus que j'ai fait, je crois, c'est 25 stages en une saison. Mais non. Si, je te jure. De septembre à juin, 25. Ouais, c'est beaucoup. Bah, c'est bien, moi. Je kiffe. Et en plus, c'est là où je vais à la rencontre de ceux qui me suivent un peu, des passionnés de sport de combat. Je rencontre un peu tout le monde et tout. Et je fais des stages vraiment bien structurés. J'aime quand les gens ressortent de là, ils sont contents. Moi, je ressors de là, je tourne avec tout le monde. Des fois, ils sont 150. Je transpire de fou. Ouais, c'est bien. Et on échange beaucoup, même sur l'extra sportif, hein, de leur vie, ce qu'ils racontent et tout. Moi, je suis très ouvert. Je suis là pour ça, en fait. Mm. Je suis là pour ça. Donc, je fais pas juste ma technique. Et voilà, c'est vraiment. Ouais, c'est je vais à la rencontre des gens et on échange beaucoup. Et même pour moi, c'est super. Donc, j'aime beaucoup faire des stages. Je suis toujours très bien accueilli. À chaque fois, moi j'adore la bouffe, donc la spécialité, je crois dans quelle ville, c'est quoi la spécialité de nourriture. Prochain, tu fais les 50 adresses de ou dans les pays, dans les différents pays où je vais, tout pareil, je demande la spécialité. Magnifique. Bon, Seb, je crois que c'est l'heure. C'est l'heure du main event. T'aimes bien le foot, non, Jimmy? J'aime bien, ouais. J'aime bien ceux que je connais. Ouais. Mes potes qui jouent, j'aime bien. Ouais. Supporter de Montpellier. Supporter de Montpellier. Ouais. Ça va la saison, pas trop difficile? C'était un peu compliqué là quand même. Ouais, un peu quand même. Non, mais toi qui es né à Montreuil, Jimmy, c'est Paris, c'est le PSG. Et ouais, mais bon, moi je regarde là où il y a mes potes qui jouent en vrai. Tu connais qui de l'équipe de Montpellier? T'en connais encore qui sont à Montpellier ou c'est des anciens? Surtout des anciens, bah, celui qui a fait la couve de la préface de mon livre. Ok. Andy Delors. Ah oui, ah oui, ok, ouais. Qui a un très bon copain. Il joue, il joue encore, il joue plus à Montpellier. Non, il est pas parti en Amérique du Sud. Au Mexique, il est parti au Mexique. Ouais, mais là, il était à Nantes, après il était à Nice. Ouais, voilà, il y a eu plusieurs. Ouais. Mais une larme. Lui, c'est un bon. C'est un bon pote à moi. Après, TJ Savanier aussi. Ouais, joue encore à Montpellier. Il y en a d'autres encore, mais je ne me rappelle même plus leur nom de famille, tellement que je les vois comme ça, quoi. Ouais, Savanier, oui. Ouais, j'en connais encore qui sont là au foot, ouais.
Et il est au Qatar, Andy Delors, là, maintenant. Ah, ok, ouais, d'accord. Ouais. Bon, bah, le foot, on en a fait faire à Alexis Nicolas, vu que c'était soir de Ligue des Champions. Ouais. Petit concours de jongle. Bon, c'était pas top. Hein. On va voir des images. Regardez ça. 7, je crois, c'est ça ? Ouais, bah, on va voir, regardez. Et tu vas pouvoir commenter en même temps les images, hein, parce que bon, c'est. Voilà, c'est. Elle donc, déjà, je comprends pourquoi il s'est mis dans les sports de combat et pas, pas dans le foot. Quoi. Voilà. C'est pourquoi j'étais dans les buts. Et vu que c'est un compétiteur, bon, il a essayé plein de fois, il a failli nous casser le décor. Nous, voilà, on essaie de se placer avec Seb, de lui dire c'est pas grave, Alexis, ouais, on peut pas être bon partout. Hein. Non, je suis compétiteur de fou. Ça partira en match. Je dis, je suis compétiteur de fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Bon, bah voilà, le but ça va être de le battre, hein. T'as un compétiteur aussi, donc 9 à battre, bien sûr, regarde, juste derrière toi. Allez, on va bouger un peu la table, petit concours de jongle. Bon, j'avais gagné la semaine dernière, donc je pense que je vais faire le doublé. Un peu dégonflé, hein, parce que bon, tu commences. Hop, c'est bon la régie, nickel. Hop, allez, c'est parfait. Eh ben vas-y, honneur à l'invité. Jimmy Véno. C'est parti. Je pense qu'il y a Savanier et Delors qui te regardent. 2, 3... 4, 5, 6, 7. Attends, vas-y, t'as plusieurs chances. Ouais. Alexis, il en a fait 15 000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Déjà battu. Il a battu. C'est pas fameux, mais tu l'as battu quand même. Toi, t'avais fait combien d'infos oh, moi, j'avais fait. Tiens, vas-y, moi, je suis passant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va nous battre quand même. Non, en plus, il a qu'un pied, c'est là. Même la tête, celui-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh non, attends. Voilà. Non, on a tous deux chances. Ah, moi aussi, je suis compétiteur. Attends. Je déteste, surtout dans. Normalement, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça 11, y est, 12, 13, 14, 15, ça 16, y est, ça 17, 18, 19, 20, 21, 22. Merde. Et voilà. Oh là là. Il ne s'est rien passé. Ça va, la régie n'a pas vu. Ouais, c'est les risques du métier, hein, ça va. Tac. Alors, on vous donne les coulisses. J'ai renversé. Renversé de l'eau. Il y a de l'eau partout sur le plateau. Attends, parce que moi j'ai un mouvement que je suis trop chaud à faire. Là. Ah, vas-y. Attends, parce que j'ai déjà. Bon, on va. Non, mais t'inquiète, c'est petit. Et normalement, celui-là, je l'ai pas perdu. T'es prêt ? Bah, je sais pas, mais vas-y, montre. Ouais. Ah, c'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Ok. J'espère que c'est filmé. Hein. Ah, bah. Oh là, comment il se la pète. Oh, remets-lui le plastron. Ouais. Sans le plastron. Merci. Allez, on va arrêter les dégâts là parce qu'on va mal finir. Bon, Jimmy, juste les actus pour toi. Tu recombats quand là? Il te reste quelques combats au One, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, là, je suis toujours avec le One et tout. Et puis là, j'ai mon combat que je devais faire là, qui a été décalé suite à mon adversaire qui a eu un problème, qui était tombé malade. Et puis, ça va être reporté. Ils vont balancer l'annonce là dans pas longtemps. Et après, voilà, ça va s'enchaîner. Hein. Ouais, beaucoup de fights qui arrivent. Tant mieux. On a hâte. On a hâte. Aussi, ouais. Ouais. Merci beaucoup, Jimmy, en tout cas. Merci à vous, c'était cool de t'avoir dans l'émission. Ça fait un moment qu'on en parle avec Seb. Ah oui. On a réussi, donc c'est top. J'espère que ça t'a plu. Super, franchement. Je suis régalé avec vous. Bon délire, détente, tranquille. Ouais, comme on aime. Trop bien. Seb, nous, on se revoit vite pour le Combatté Global. Combatté Global lundi. Pour la prochaine émission. Mardi. Et puis mardi, la prochaine émission avec Karim Gadji. Ouais. Invité. Voilà. Beaucoup en plus. Ah bah voilà. Ouais, Karim, super gars aussi, qui fait aussi Transition MMA aussi. Donc. On a de la chance avec nos invités. Hein. Ouais, c'est clair. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. C'est vrai qu'on les vanne, mais c'est pas mal. Bah, ils sont bien. Ils sont bien. Encore merci, Jimmy, en tout cas. Ouais, merci beaucoup à toi. On va remercier aussi toute l'équipe en régie qui fait un travail monstrueux pour cette émission. Julien Perronnet à l'édition, bien aidé par Walid Mash. Pierre Drio à la réalisation, évidemment. Walid, il n'y a pas fait grand-chose. Hein. Enfin, il y en a toujours un qui prend avec ça. Ils regardent, ils font rien. Ouais, j'avoue que c'est. Non, gros taf de Walid. Pierre Drio à la réalisation, Vincent de Wasma à la vision, Clément Ritter au son, et puis Sandrine et David au maquillage. Merci à toutes et à tous. Et puis on se retrouve mardi pour un prochain MMA Chill & Fight. Yes. Allez, salut.